Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur de me laisser la parole. Je vais souscrire aux propos de ma collègue parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Ce qui nous inquiète le plus, c'est pas le nouveau DPE. Encore une fois, le nouveau DPE, on est tous contents qu'il arrive parce que tant l'ancien était une catastrophe, faut se le dire maintenant, je veux dire. Enfin, une catastrophe, j'exagère, mais on avait discuté avec Madame la Ministre. Moi, je connais certains bâtiments qui avaient un DPE vachement avantageux et qui étaient de grosses passoires thermiques. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais il faut évidemment qu'on arrive à pousser au maximum les gens à aller vers A et B. Moi, je ne sais pas comment on donne l'assurance que, comme l'a dit ma collègue, ben le C, c'est vraiment, 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 vraiment la solution parce qu'on ne peut vraiment, vraiment, vraiment pas faire autrement. Or là, pour l'instant, honnêtement, pour nous, ce n'est pas très clair encore. On voudrait sortir de cet hémicycle avec ça parce que ce serait une véritable avancée après des années et des années de gabegie d'aide, on va le dire, sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, qui n'étaient pas ciblées, qui n'étaient pas bien calculées. On a quand même mis un paquet de milliards. Si on avait récupéré ces milliards-là, on se poserait moins de questions aujourd'hui.